C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, t'es un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quelle est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ou laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Ô Notre-Dame, ô laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore pucelle? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Quelle est l'homme qui détournerait son regard d'elle sous peine d'être changé en statue de sel? Ô fleur de lys, je ne suis pas homme de foi. J'irai cueillir la fleur d'amour d'Esmeralda. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quelle est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Notre-Dame reconstituée pour le vivement de Patrick. Bonjour, monsieur Garou. Ouais. Bonjour, Daniel. Bonjour, Michel. Ben, je suis content de te revoir. Venez. Aussi, c'est émouvant de vous retrouver tous les trois. En fait, vous étiez rarement trouvés.
à Bercy il y a quelques années. Une invitation de Garou. On s'était dit, c'est ce qu'on s'était dit quand on était sur Notre-Dame. Déjà, en tout cas, merci la famille. Merci d'être là. Bon ben, merci de nous inviter. Merci Patrick. Et de nous redonner l'occasion. Et en fait, Garou, on s'était dit à l'époque, Garou avait dit, si un jour je fais Bercy, vous viendrez chanter. C'est celui qui fait. Oui, on dit, s'il y en a des trois qui fait Bercy, invite les autres. Voilà, et puis Garou a fait Bercy, et puis il nous a invités. Et je les aurais pas invités, mais comme on avait signé ce contrat, ce pacte, j'ai pas eu le choix. Allez. Et j'ai un autre pacte, ils vont venir chanter quand ils auront tous les cheveux blancs aussi. Ils vont venir. Oui, il paraît que ça va aller mieux. C'est le rendez-vous d'aujourd'hui. Alors, Daniel Lavoie, qui est venu de son lointain Québec, alors que sort son dernier album, La Licorne Captive, j'y viens dans un instant. C'est ton camarade québécois, Plamondon, qui t'avait dit l'archidiacre Frollo, c'est pour toi. Luc savait que j'avais passé toute mon éducation chez les jésuites. Ah. Il m'a dit, Daniel, je voudrais que tu deviennes prêtre. Ah. J'ai dit, Luc, j'ai dit non à ma mère toute ma vie, c'est pas à toi que je vais dire oui. Il m'a dit, mais Daniel, tu connais les prêtres, toi? J'ai dit, justement. Alors, oui, cette photo, sur cette photo, évidemment, je voudrais rappeler Hélène Ségara, bien sûr, Julie Zenati, Bruno Pelletier, Luc Merville. Alors, ça a changé votre vie, Notre-Dame de Paris? Question. Je crois que ça a changé plus la vie de Garou et de Patrick, parce que moi, j'avais déjà fait un petit pic Bien sûr. Et puis, après Notre-Dame de Paris, moi, j'étais un peu plus fatigué, puis j'avais plus envie de faire des choses un peu plus marginales. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Est-ce que les grands airs de Notre-Dame résonnent toujours dans votre tête? Daniel, est-ce que Belle... Tu n'avais pas chanté Belle depuis longtemps? Je la chante encore de temps à autre en spectacle. Les gens exigent qu'on la chante. Je ne sais pas, c'est pareil pour vous sans doute. C'est pareil pour nous tous. Parce que ça fait partie de tellement du bagage populaire qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix et franchement, moi ça m'a jamais gavé. C'est-à-dire que moi non plus. La refaire en concert, il y a toujours un moment magique avec le public. Les gens, ça les a tellement touchés que c'est... Après tout, c'est pas toutes les vies qu'on a une chanson qui a été nommée chanson du siècle. Alors, non, ça c'est sûr. Même un grand honneur et je pense que ce serait vraiment manquer de respect de ne pas la chanter. Absolument, tout à fait d'accord avec toi. Alors Daniel, parle-moi de La Licorne Captive, un projet musical de Laurent Gardeau. Parle-moi de ce projet. J'ai découvert la viole de gamme, comme la plupart des gens, tous les matins du monde, la vie de Marais-Marais. Et je suis tombé en amour avec cet instrument de la Renaissance. Et c'est un instrument qui a un son très organique, très bois et peau. Et quand Laurent Gardeau m'a proposé un projet de conte et de légende accompagné de viol de gambe, j'ai été complètement séduit. Puis j'avoue que c'est quelque chose auquel je rêvais depuis très longtemps. Je ne croyais jamais un jour pouvoir chanter avec des viols de gambe. Écoutez cet album parce que le mariage entre la viole et la voix de Daniel Lavoie, il y a quelque chose de magique qui se passe. Vous pouvez le réécouter, ça nous berce, c'est d'une chaleur absolue. Voilà, c'est un régal. Alors si dans une autre vie, dans un jury, à l'aveugle, tu as entendu la voix de Lavoie, si j'ose dire, et la voix de notre ami, est-ce que tu te serais retourné? J'en rêve. D'ailleurs, c'est drôle parce que souvent, je me dis, ils se risquent pas vraiment les talents à faire des chansons de Notre-Dame qui sont des grands exemples de mélodies lyriques. J'ai pas souvent entendu ces chansons-là, oui. Mais c'est vrai que les voix du casting de Notre-Dame étaient quelque chose d'une rareté. J'espère toujours en entendre du genre, mais alors maintenant, la voix Daniel et Patrick Fiori dans un jury, vous seriez retourné sur la voix de ce fumeur? Tout de suite. Immédiatement. Oui. Immédiatement. Oui. Tout de suite. Et même parler dans la rue, il serait passé, juste sa voix, je me serais retourné. Et après ça, quand tu serais retourné, tu comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis moi, avec ma côte de maille, ça va sinon? Non, mais ce sont des voix, enfin, pour moi, exceptionnelles, une amitié rare, déjà, je le précise à chaque fois, parce que c'est précieux l'amitié, c'est aussi précieux que l'amour, pour moi. Donc déjà ça, mais évidemment des voix rares en plus de ça et de leur cœur si immense, oui, je me serais retourné tout de suite. Daniel, on était content de te voir. T'es venu de loin pour retrouver tes deux copains. Ça nous fait bien plaisir. C'est vraiment un grand bonheur de retrouver mes vieux. Mais oui, absolument. Daniel Lavoie, Garou, se devait d'être là aujourd'hui car, je le répète, c'est le premier Vivement Dimanche de Patrick pour ses 20 ans de carrière. C'est bien que vous soyez là. Oui, 20 ans déjà. 20 ans déjà, Patrick. On applaudit Daniel et Garou. Oui.
Merci beaucoup, les garçons. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tu nous réinvites dans 20 ans. Hein. Merci. Alors.